Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'août. Je suis ravie de vous retrouver pour le calendrier astrologique du mois de septembre. Allez, c'est parti! Ce calendrier démarre le 4 septembre avec deux événements dans le ciel. Le premier va faire plaisir à tout le monde, c'est Vénus, planète d'amour, d'argent et de bien-être, qui reprend une marche directe au début du deuxième décan du Lion. Elle était en rétrogradation depuis le 23 juillet. Alors si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de recevoir des sous, ça devrait se débloquer dans les tout prochains jours. Mais attention, Vénus est en dissonance avec Jupiter, le grand amplificateur du zodiaque. Des excès sont donc possibles. Aussi, faites attention à rester mesuré, que ce soit dans vos amours ou dans vos finances. Le deuxième événement, c'est la rétrogradation de Jupiter, justement, qui est actuellement dans le deuxième décan du Taureau et qui va reculer jusqu'au premier décan, et reprendre une marche directe le 31 décembre 2023. Jupiter est souvent présenté, à tort, comme une planète de chance, alors qu'en réalité, c'est un projecteur, un amplificateur qui va braquer les lumières aussi bien sur vos réussites que sur vos échecs. Ça dépend de la configuration de votre thème personnel. En tout cas, si on vous a récemment fait une proposition ou une promesse, soyez patient, les choses devraient se concrétiser début 2024. Et si vous avez eu des ennuis depuis le mois de mai, si vous avez cumulé les tuiles, ça devrait se calmer jusqu'à la fin de l'année. Profitez-en pour souffler et vous ressourcer. On continue le 15 septembre avec aussi deux événements à noter ce jour-là. Le premier, c'est Mercure, la planète du mental, de la communication et des petits déplacements, qui reprend une marche directe dans le premier décan de la Vierge. Ouf ! Si vous avez eu des soucis depuis le 23 août avec des appareils électroménagers, avec des dossiers administratifs, si vous avez eu du mal à joindre quelqu'un, eh bien ça devrait se décanter dans les tout prochains jours. Et comme Mercure va vers un bon aspect avec Jupiter, planète d'expansion, il est tout à fait possible que vous receviez une bonne nouvelle dans les prochains jours. Le deuxième événement de ce 15 septembre, c'est la nouvelle lune qui se trouve à 22 degrés de la Vierge, c'est-à-dire au début du troisième décan. La nouvelle lune, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune sur le même degré d'un signe. Ça correspond au démarrage d'un nouveau cycle, à la mise en place de nouvelles énergies. La Vierge, c'est le signe de l'infiniment petit, du détail, de la précision et de la minutie. Comme cette lunaison se trouve face à la troublante Neptune, il faudra faire attention à ne pas accorder trop d'importance à des détails qui n'en valent pas la peine et aussi à ne pas vous laisser envahir par votre mental et votre imaginaire qui risque de vous induire en erreur. La Vierge représente aussi tout ce qui est en lien avec notre hygiène de vie, notamment notre alimentation. Et comme les deux luminaires sont bien reliés à Uranus, la planète du changement, des innovations aussi, c'est peut-être le moment de mettre en place de nouvelles routines dans votre quotidien et pourquoi pas tester de nouvelles méthodes si vous êtes à la recherche d'un rééquilibrage alimentaire. On continue le 23 septembre avec l'entrée du Soleil en Balance à 8h50 précise, heure de Paris. La Balance est un signe qui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour et du bien-être, et qui est traditionnellement associée à la paix et à la diplomatie. C'est donc une très bonne période jusqu'au 23 octobre, pour vous réconcilier avec quelqu'un par exemple, ou pour trouver des terrains d'entente dans vos discussions. En tout cas, évitez les rapports de force et les conflits, ils ne vous amèneront rien de positif. Soyez plutôt dans le dialogue. On termine ce calendrier astrologique du mois de septembre le 29 avec la pleine lune, qui va opposer le Soleil dans le premier décan de la Balance à la Lune dans le premier décan du Bélier. La pleine Lune, c'est toujours un moment de pleine conscience. Elle apporte la lumière sur une hésitation ou un choix qu'on a à faire et qui peut ne pas être facile. Alors avec la Balance, on est dans le registre de l'hésitation, du compromis, on est dans la quête d'harmonie. Tandis qu'avec le Bélier, on est dans l'action, dans l'affirmation de soi et dans la réactivité. Cette pleine lune soulève donc les questions suivantes. Est-ce que vous devez foncer ou au contraire temporiser? Faut-il vous imposer de manière autoritaire et unilatérale ou faire des compromis? Il y a en tout cas un juste milieu à trouver entre ces deux pôles.
Et il ne faudra pas hésiter à demander conseil à un proche si vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée pour ceux qui ont des enfants qui reprennent le chemin de l'école. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou sur le direct du mardi soir, ou encore, vous pouvez, si vous souhaitez une analyse personnalisée de votre thème et de votre avenir, nous envoyer un petit mail à info@celastro.com pour prendre rendez-vous avec Christine ou avec moi. À bientôt !